sait que c'est 24 heures, on est parti pour longtemps et ça va être difficile. C'est un niveau très très relevé, c'est très compétitif cette année-ci. Donc voilà, on est prêt à partir maintenant, c'est bon. C'est plein de souvenirs aussi dans la famille et pour vous en particulier ces 24 heures. Oui, depuis tout petit, je suis toujours venu au cours de 24 heures. Mon père a quand même gagné 4 fois la course, donc c'est sûr que c'est ancré en nous, dans la famille. Et donc j'espère avoir un jour la remporter, mais commençons par le début et par le départ maintenant. Un tour à la fois, merci. Au revoir. Maxime Martin. Oui Thomas, voilà, on se retrouve avec celui qui sera notre flagman au départ de ce tour de show, Félix Baumgartner himself. Félix, it's a great honor for us to see you here. You're the man of the extreme. What do you think when you see all this on the start grid? Well, first of all, it's also a great honor for me to wave the starting flag here at Spa. This is my first time enjoying the cars, and the people here are really nice. You did take part to the 24 hours of the Nürburgring, 9th place overall. It was a great result, of course. How is it to drive such a car when you're doing such extreme things normally? Well, you have to keep in mind that I'm not a race car driver. So this is my first race in Audi R8 LMS together with Audi driving experience. In a very difficult car, GP car is not easy to drive. Very difficult racetrack, 24 hours of Nürburgring. But I had some really good team members, Marco Werner, Pierre Kraft and Frank Wieland. We really did an awesome job and we came in 9th place, so I'm really proud of the result. Philips, can you dream of your participation here in Spa next year? Well, I'm already dreaming about this, you know, but I have to ask Audi, and if they say yes, I will compete here the next year. Thank you, Félix Baumgartner. Voilà, qui nous expliquait, oui, effectivement, vous trouvez des choses absolument extrêmes. Et se retrouver ici sur cette ville départ, c'est d'abord un grand honneur pour moi. Je sais, après avoir disputé les 24 heures de Nürburgring, combien il est très très compliqué de piloter ces voitures. J'ai eu la chance d'avoir une bonne équipe, c'était Audi, avec de bons équipiers aux 24 heures de Nürburgring pour terminer en 9e position. Et puis la dernière question que j'ai posée à Félix, c'est est-ce qu'on peut rêver, espérer vous voir au volant d'une de ces voitures l'année prochaine? Il me dit, mais franchement, j'ai déjà commencé à y rêver depuis pas mal de temps. J'aimerais effectivement prendre part. Au total, 24 heures de Spa 2015, voilà qui est dit. On espère avoir Félix Baumgartner l'année prochaine. Message très très urgent, Vincent. Évacuation de la piste, s'il vous plaît. Évacuation de la piste. Départ du Tour de Chaux dans quelques secondes. Please clear the track. The warm-up lap will start in a few seconds. Please clear the track. Effectivement, le Tour de Chaux sera donné à 16h25, enfin le départ de ce Tour de Chaux. Donc il nous reste un peu de temps, mais c'est vrai qu'il faut maintenant que les gens partent pour laisser place aux voitures et pour laisser place à l'ambiance de la course d'ici un instant. Mon cher ami Guy, vous étiez en troisième ligne, vous. Dernier, inderdaad, in de start-opstelling de tweede WRT Audi, de wagen nummer 3, die van Christopher Mies, Frank Stippler en James Nash. Daarnaast M Sport Bentley, de snelste Bentley in het veld, die van Guy Smith, van Andy Merrick en Stephen King. En quatrième ligne, on n'ira pas jusqu'au point. Bernd Schneider, Aaron de Prima et Nico Verdonk. Nico Verdonk qui prendra le départ à bord de la voiture numéro 84 qu'il partage avec le vainqueur de l'an dernier, Bernd Schneider, l'un des vainqueurs. Christian, pour la dernière fois, on se permet de vous interrompre. On a à nos côtés le maître d'œuvre de ces Total 24 heures de Spa, celui qui a poussé pour qu'elle devienne GT, le patron de SRO, Stéphane Ratel, organisation, bien sûr. Stéphane, voilà, on y est, le soleil, des tribunes merveilleusement bien garnies et puis une course ô combien décisive. Je pense que c'est vraiment une des plus belles éditions de l'histoire des 24 heures. On tout fait dans cette année le 90e anniversaire. Que des preuves depuis 1924 et je pense que c'est vraiment une des plus belles grilles qui a jamais été offerte ici dans les Ardennes. Par la quantité, 61 voitures, par la qualité, par le nombre de voitures qui peuvent s'imposer. Au général, on a vraiment 5 marques qui peuvent l'enfoncer avec une dizaine de voitures au total. C'est complètement indécis et je tiens en particulier à remercier le public de venir toujours aussi nombreux. C'est pour eux qu'on est ici, que tous les pilotes sont ici et j'espère qu'on va avoir une magnifique épreuve. Alors, pour marquer l'histoire de l'épreuve,